Good morning, everyone. We'll be starting here very shortly. Bonjour tout le monde, nous allons commencer très prochainement. Nous allons entendre encore une minute et nous allons commencer le webinaire. Merci. Bien, nous allons commencer. Donc, bienvenue à tous nous à ce webinaire COVID-19 financé, sponsorisé par l'équipe des ressources analytiques et avec l'initiative écosystème. On va parler de l'oxymétrie de Pooh, les applications pratiques, les limites et les zones d'incertitude et les aspects pratiques sur l'implication, sur les applications, les contextes oxygène. Donc, nous aurons des panélistes que nous allons vous présenter rapidement. Avant de commencer, j'aimerais donner le microphone à Dr. George Syberry, qui est le responsable pour l'écosystème oxygène. George, à vous. Merci beaucoup, Dr. Lipnik. Est-ce que vous m'entendez? Oui, excellent. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous à la prochaine série de webinaires et pour remercier le Dr. Lipnik et l'équipe STAR et nous apprécions tous les partenaires et le personnel qui travaille dur pour aborder le sujet si crucial. Dr. Lipnik, à vous. Merci beaucoup, Dr. Syberry. Donc, pour rappeler, nous enregistrons ces informations et les informations et les ressources présentées ici ne constituent pas un avis médical ou une consultation. Ce contenu est destiné à être de nature éducative. On va demander à ce que tout le monde désactive le microphone. Nous diffusons en anglais, espagnol et français. Donc, dans la console, choisissez la langue que vous préférez. Nous allons enregistrer dans les trois langues et les traductions seront postées en ligne. Si vous avez des questions, utilisez la fonction question-réponse ou chat et nous allons aborder ces questions à la fin de la présentation. Pour vous rappeler, ces webinaires ont lieu le deuxième et au quatrième jour, mardi du mois. Et vous pouvez me contacter, moi ou Lauren Wall, directement. Finalement, pour vous rappeler, les outils et les protocoles mis en exergue par nos présentateurs sont trouvés dans le portail pour le programme opencriticalcare.org, le panneau table covidtreatmentguidelines.org et covidprotocols.org. qui a été mis sur pied avec beaucoup de partenaires. Donc, nous allons entendre parler de nos premiers panélistes. Je vais présenter tous nos présentateurs et les panélistes. Dr. Phil Bickler est professeur d'anesthésiologie à l'Université de Californie à San Francisco et il est le chercheur principal laboratoire d'hypoxie qui a été un pionnier mondial dans le développement de l'oxymétrie de Pooh, y compris la précision des appareils plus coûteux et les effets de la pigmentation de la peau foncée. Dr. Wangari Waweru-Silka est professeur d'anesthésie adjoint à l'Université Aga Khan de Nairobi. Sa recherche comprend la qualité de soins et les résultats de soins aigus et pour trouver des interventions peu coûteuses pour assurer de bons pronostics pour les malades critiques. Elle a établi le premier registre de soins critiques au Kenya. Docteur Théogène Twagiru Mugabe est professeur à l'Université Butare, professeur d'anesthésiologie à l'Université de
de Rwanda, de Kigali. Il a permis il a fait de la recherche sur la défaillance pulmonaire respiratoire. Il a écrit plusieurs articles sur la modification de RDS, la modification Berlin de Kigali, et docteur Beth Riviello de Harvard University. Elle s'intéresse particulièrement à comment le contexte impacte les soins critiques, l'épidémiologie et les pronostics. Merci d'être venu. Et ensuite, on va entendre parler de docteur Beckler qui va prendre la parole. Donc, monsieur le docteur Phil Beckler, professeur UCSF, anesthésie et soins périopératifs. Merci, docteur Lipnik. Merci de me donner la parole pour que je présente ce que j'ai appris sur l'hypoxémie et comment vous pensez en termes de limitation de ce que peut faire l'oxymétrie de pouls. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Un message résumé des messages va décrire comment l'oxymétrie de pouls est devenue l'outil essentiel pour diagnostiquer l'hypoxémie. La précision, c'est une technologie non invasive et le faible coût est. On en font un moniteur de transformation à travers la planète, une véritable innovation. Je parlais de la technologie qui soutient la mesure, les techniques de mesure de l'oxymétrie de pouls. Et surtout, je vais parler des limitations inhérentes à la technologie. Ces limitations sont très importantes à saisir parce que des groupes comme ceux-ci travaillent pour disséminer la technologie à travers la planète, surtout dans des contextes limités en ressources. Nous allons commencer avec des notions de base. Donc, qu'est-ce que fait le l'oxymétrie de pouls? Il mesure le pourcentage de saturation d'oxygène de l'hémoglobine disponible, saturation fonctionnelle, donc qui est liée à un oxygène, une molécule d'oxygène. C'est différent il y a une terminologie liée à ce qu'on appelle l'oxymétrie de co par impulsion qui mesure le méthylmercure, le monoxyde de carbone et même l'hémoglobine globale. Dans la configuration typique, il affiche pas seulement le SPO2, la fraction, mais également sur le battement cardiaque et surtout pour ceux qu'on trouve dans les hôpitaux, ils affichent des informations sur la qualité du signal également. Et le photoplétismogramme est le signal obtenu. Il peut être utilisé pour avoir un indice de profusion dans la région du corps où la sonde est appliquée, mais également une variabilité de la profusion. C'est ce qu'on appelle l'indice de variabilité de pouls qui peut être très utile pour détecter les changements dans le statut du volume vasculaire du patient. L'histoire de l'évolution de la mesure de l'oxygène dans le sang a évolué. Il y a eu d'autres changements dans la société. La Deuxième Guerre mondiale a été vraiment essentielle. Les Britanniques voulaient créer des avions qui pouvaient monter à des altitudes très élevées. Donc, il fallait mesurer le niveau d'oxygène chez les pilotes. Et à gauche, vous avez un dispositif TIF qui a été créé par le RAF dans les 1940, un Millikan attaché à l'oreille des pilotes. C'était une lumière
attaché à l'aube, qui était connecté à un tube vacuum assez important pour, avec, qui mesurait quelque chose plus ou moins précis, avec qui mesurait donc la quantité d'oxygène dans le sang du pilote. Et ensuite, John Sevenhouse a développé le premier un analyseur de gaz dans le sang. Dans le monde de l'oxymétrie de pouce, a commencé en 1975 avec un inventeur. Takuyo Oyagi. Et ce qu'il a développé est devenu la base pour l'oxymétrie de pouce à travers le monde. Et comme vous le savez, les oxymètres de pouce ne sont pas disséminés, mais il y a beaucoup d'écart dans leur disponibilité à travers le monde, dans les salles de chirurgie et dans les contextes de soins aigus. Voici une photo de Oyagi quand il s'est rendu dans notre laboratoire de San Francisco. Et donc, Takuo Oyagi, en 1975, il est décédé l'année dernière, mais il a gagné tellement de prix. Et John Sevenhouse, il inventait toujours des choses, il aimait beaucoup amener la technologie à la médecine, l'intégrer à la médecine. Dr. Sevenhouse a créé le laboratoire d'hypoxie à l'UCSF et son intérêt, c'était en oxygène, c'est pas seulement de mesurer la quantité d'oxygène dans le sang, mais comment les humains s'adaptent à l'altitude. Et nous avons continué ce legs et publié des documents, des articles qui ont eu un impact sur le fait que les oxymètres devraient améliorer, que la technologie actuelle a des limites qui doivent être résolues pour la précision clinique et pour l'équité en matière de santé. Donc, parlons un peu des notions du fonctionnement de base de l'oxymètre. Donc, fondamentalement, il mesure la couleur du sang en transmettant la lumière à travers ou en réfléchissant la lumière d'une partie du corps ayant une bonne circulation sanguine. Les couleurs peuvent être perçues par l'œil, mais il quantifie ces différences de couleurs et fournit une estimation précise de la quantité d'oxygène qui est liée au sang. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que de mesurer la couleur quand même. Dr. Oyagi, son innovation qui a transformé les mesures non invasives de l'oxygène lié à l'hémoglobine, c'est le concept que vous pouviez utiliser le signal du sang, pulsatile et créer un indice par rapport à l'oxygène lié à l'hémoglobine. Donc, les oxymètres de peau transmettent la lumière rouge et la lumière infrarouge de 2 LED à travers les tissus contenant du sang pulsatile. La saturation SpO2 est une fonction du rapport des deux ratios. Donc, les deux spécimens d'hémoglobine absorbent la lumière différemment. Donc, lumière rouge 660 nanomètres, et la lumière infrarouge 940 nanomètres. Et dans tous les, vous pouvez créer un indice qui est lié à la saturation d'oxygène. Et cet indice s'appelle AR. Donc, c'est le taux de deux taux, en fait. Donc, étendre cela, cette technologie vous permet de faire d'autres choses. Sur cette graphique, il y a le spectre d'absorption de méthémoglobine, oxyhémoglobine et d'hémoglobine réduite. Donc, on peut utiliser
des longueurs de lumière, pour résoudre plusieurs équations, pour trouver des valeurs. Et il y a plusieurs équations qui le font et intègrent entre 8 à 10 lumière pour, par exemple, le photomètre, spectrophotomètre qui va sur le doigt, par exemple, le fait également. Donc, il s'agit d'un rapport entre des longueurs de lumière, d'ondes de lumière différentes. Donc, pour garantir l'exactitude de tout oxymètre, il doit être validé in vivo. Il n'y a pas donc de nombre, chiffre absolu, ce qui doit être fait. Il faut un échelonnage in vivo, malgré beaucoup de développement de modèles échelonnés du sang humain. En 2021, il est encore nécessaire de faire des tests in vivo pour que les gens soient hypoxiques et tirer du sang et comparer la véritable saturation par rapport à celle mesure de pas avec la valeur du pulse oximeter. Et ensuite, il y a un échelonnage pour... Donc, il faut une relation mathématique entre R et SPO2 qui varie en fonction de l'optique, qualité des LED, longueur d'onde, et disposition physique du capteur et de son matériel, et la variabilité entre les sujets, pigmentation de la peau, diffusion, etc. Donc, la disposition du capteur, et je détaillerai un peu plus tard cet élément, mais il y a également la pigmentation de la peau. La mélanine peut interférer avec la mesure précise de l'oxygène, avec l'oxymètre de pouls. Donc, ça vraiment influence la performance de l'oxymètre de pouls et leur précision. J'ai mentionné une minute de cela que l'oxymètre de pouls doit être échelonné en phase finale, dans des études chez des humains en état d'hypoxie. Donc, on a développé des techniques pour créer des niveaux stables d'hypoxémie profonde. Donc, il faut une hypoxie brève et profonde qui soit sans danger pour les tests. Et je parlais des effets de l'hypoxie chez les humains. Or, dans le cadre de l'oxymètre de pouls, mais nous avons environ 7000 sujets et on les a soumis, induits en état d'hypoxémie profonde. Et notre expérience montre que ces études étaient sans danger et donnent une manière très fiable de tester la performance des oxymètres de pouls. Il nous donne un aperçu très utile. Ils décrivent ce qui se passe pendant l'hypoxie créée par la maladie COVID-19. Voici un sketch. Il y a un sujet qui... Vous voyez un sujet ici. On ajoute du dioxyde de carbone et on mesure le niveau d'oxygène après chaque souffle. Et on utilise un algorithme informatique pour estimer la saturation dans le sang artériel. On peut se rapprocher très près du niveau désiré de l'oxygénation artérielle et on peut le faire de manière stable. Donc, cela nous permet d'avoir un cadre de référence pour tester tous les oxymètres de pouls. Donc, des données d'une étude typique de validation sur l'oxymètre de pouls seraient ici. La ligne brisée rouge,
c'est le battement, le rythme cardiaque qui est en haut, en gris, les lectures d'un oxymètre de pouls. Donc, on a différents niveaux d'hypoxémie. On a commencé à 100%, on est baissé à 70%. Deux coups, vous pouvez voir, il y a une chute d'abord, ça remonte, on fait encore une baisse. Les bleus, ce sont les moments où nous prenons des échantillons de sang artériel. Ici, là, à ce moment, nous avons une paire de points entre ce que l'oxymètre affiche et la véritable valeur de saturation d'oxygène dans du prélèvement de sang. Donc, on peut évaluer la performance de l'oxymètre de pouls. Donc, la manière d'analyser la performance est standard. Vous pouvez imaginer qu'un dispositif affiche des valeurs précises avec peu de variabilité. Donc, ce serait en bas à droite qui est à la fois précis et correct. Et à gauche, en haut, il y a une variation de la valeur réelle et de manière aléatoire. Donc, cet instrument serait considéré pas précis ni correct. En haut à droite, vous avez un instrument qui, en moyenne, est précis. Et donc, vous voyez les trous, les balles, les impacts de balles, ils sont plutôt proches de la cible, mais ils sont quand même pas très proches du centre. Et le biais, c'est la déviation moyenne de la val par rapport à la valeur réelle. Donc, il est précis, il est faux, les lectures sont fausses, mais toujours il y avait toujours la même quantité d'erreurs. Donc, ça peut devenir ésotérique. Et c'est vraiment du domaine des experts statistiques. Mais vous avez un peu, vous comprenez l'idée. Voici des données d'une étude typique, et ce qu'on appelle le bias plot, le champ d'écart. Et l'axis horizontale, c'est la véritable valeur de la saturation mesurée par l'oxymètre, le sang prélevé. Et vous pouvez voir ici que l'intervalle de confiance de 95% est ainsi pour des. Donc, vous voyez l'écart des points, l'éparpillement augmente lorsque la saturation est faible. Donc, entre 70 à 75%, il y a beaucoup de variations dans le bias. Le bias, donc le comme. Comme un préjugé, donc le biais. Donc, voici le potentiel ce que peut faire un bon oxymètre. Beaucoup de facteurs affectent la performance de l'oxymétrie. Il y a des choses qui sont très importantes. C'est une faible profusion, anémie et la pigmentation de la peau foncée. Passons maintenant à la pigmentation foncée de la peau. Donc, la variation dans la peau, la variation des niveaux de mélanine dans la peau humaine complique l'oxymétrie de pouls. Ce que la mélanine peut faire, parce que LED produisent un spectre de lumière qui filtre la lumière et ils altèrent la calibration, l'échelle des instruments. C'est un problème avec la peau foncée. Prochaine diapositive. En 2005, nous étions les premiers à reconnaître cela. Voici les données d'une étude de l'anesthésiologie qui montre que
des sujets à l'approfondir. Le biais oxymètre est que l'instrument lit trop haut pour des saturations faibles. Donc, vous ratez l'hypoxémie. Ce qu'on a vu ça en 2005, on a essayé de diffuser cette information avec différents degrés de succès. Pendant un article récent du New England Journal of Medicine, on a montré cela également. Et Michael, des collègues de l'Université de Michigan ont montré que pour les patients à la peau foncée, les lectures de l'oxymétrie de peau étaient trop basses. Et vous voyez la différence entre la mesure avec la mesure avec l'oxymétrie de peau et la différence par rapport à la saturation en oxygène artériel. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici. À droite, ce sont des données des laboratoires. Vous ne voyez pas vous voyez la même direction. Les oxymètres de peau ont des affichages trop élevés pour les personnes foncées, la peau foncée. Donc, maintenant, on se concentre. Les contextes cliniques, pourquoi ils renforcent les affichages plus élevés de l'oxymétrie? Donc, on travaille là-dessus activement. On a eu des succès mixtes pour tenir compte de ce biais, d'autres facteurs qui peuvent affecter. Nous avons le mouvement, l'anémie également. Donc, le dispositif à droite, c'est quelque chose que le docteur Lipnick a créé pour surveiller l'anémie. Et ce sont des études qui continuent dans notre laboratoire. Prochaine diapositive. Donc, les frais d'oxymètre sont faibles. Les frais d'oxymètre commencent à 10 $ et on les trouve. Beaucoup ont de grandes limites et le travail du docteur Lipnick a montré beaucoup de ces limites. Et ça a été l'article le plus cité de cette année dans ce journal. Toute cette attention a été avec l'arrivée de COVID-19, donc félicitations à Michael pour ce travail de haut impact. On doit trouver encore, faire davantage de travail sur les oxymètres de peau. Ils existent partout. Donc, je veux conclure en disant que nous avons beaucoup de travail à faire. Nous savons comment nous avons des idées, nous savons comment ça il marche, nous savons. Le problème de la pigmentation peut jouer un rôle. Il y a des études dans les essais cliniques en laboratoire qui doivent être effectuées pour pouvoir créer des oxymètres qui sont précis, peu coûteux et faciles à utiliser. Et je pense que je termine mes remarques. Je pense que je vous ai expliqué comment les oxymètres de poule fonctionnent. Donc, voici des membres du laboratoire actuel. Si vous êtes à San Francisco, venez nous voir. Je vais mettre une ligne artérielle et vous rendre hypoxique. Merci, Bill. Et maintenant, Dr. Riviello va parler. N'oubliez pas de mettre des questions dans la question-réponse et on va donner 15 minutes. Donc, on va y répondre dans 15 minutes. Docteur Riviello, à vous. Merci. Je vais parler au nom de Docteur Théo et de Wangari avec d'autres thèmes. Nous allons parler du rôle de l'oxymétrie de poule pour gérer le syndrome de détresse respiratoire aiguë et les objectifs de saturation d'oxygène, les meilleurs objectifs pour chaque bénéfice pour le patient, les meilleurs objectifs pour le bénéfice de la population, la conservation d'oxygène et l'oxymétrie de poumon continue ou intermittente. C'est une
La saturation sur l'oxymètre de poudre serait inférieure ou égale à 95% pour la précision. Il y a entre le cible est entre 90-95% est bon pour les résultats patients et pour conserver l'oxygène. Et peut-être qu'on rate l'hypoxémie. Il y a des choses qu'on peut faire pour atténuer le risque et nous allons en parler. D'abord, pour parler de SDRA, du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est ce syndrome, c'est un syndrome d'inflammation en réponse à une insulte, un choc aigu envers le corps provoquant un écoulement de liquide dans les poumons. Il provoque une hypoxémie. À gauche, vous avez le poumon noir avec toutes les parties noires qui sont l'oxygène. Et pour avec l'inflammation, il y a des fluides qui remplissent et créent l'hypoxémie. Donc, la pneumonie virale, bactérienne, autres infections, traumatisme, brûlure, chirurgie, tout cela, tout qui inflamme le corps peut créer ce syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. La plupart de la pneumonie COVID, c'est le SDRA. Lorsqu'on parle avec des partenaires pour comment diagnostiquer la pneumonie, tout ce que nous utilisons, c'est ce que nous savons pour traiter le SDRA. SDRA, historiquement, a été défini, diagnostiqué grâce à des gaz de sanguin qui demandent une ligne artérielle et une ligne intraveineuse artérielle et des mesures laboratoires au lieu de l'oxymètre qui est un apparatoire non invasif qui peut rester sur le front, l'oreille ou le doigt. Et on a également fait des études sur la position couchée sur la poitrine pour voir qui bénéficierait de cette position couchée sur le ventre. La définition de Berlin. Donc, ça demande une radiographie, montrer qu'il y a un enflement des deux côtés des poumons et que le patient soit sous ventilateur, que ce soit invasif ou non, pour répondre à la définition de SDRA avec le docteur Théo et d'autres collègues. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont redéfini le SDRA avec la modification Kigali, parce que nous l'avons fait à Kigali, au Rwanda. L'idée que le SDRA devrait être diagnostiqué sans la technologie que la définition de Berlin requiert. Nous avons fait plusieurs modifications. On a dit que vous n'avez pas besoin de rayon X. Vous pouvez avoir des ultrasons plus disponibles. Vous n'avez pas besoin d'être sous respiration mécanique. Ce n'est pas disponible pour tous. Et on nous a dit qu'au lieu d'avoir des gaz sanguins, vous pouvez faire des estimations basées sur l'oxymétrie de pouls. Puisqu'on l'a fait, il y a eu de meilleures modélisations pour que les estimations des gaz, l'oxygénation de l'oxymétrie de pouls sont meilleures qu'en 2016, lorsque nous avons publié cette étude. Encore une fois, c'est important de savoir que la saturation doit être moins ou égale à 97% pour que l'oxymètre de pouls soit précis. Vous connaissez opencriticalcare.org et ce que le docteur Lipnik et les collègues ont fait. Ils ont utilisé les modèles qui utilisent l'oxymétrie de pouls pour arriver à le diagnostic SDRA. Et donc, vous pouvez mettre la saturation du patient, l'oxygène reçu par le patient. Vous pouvez avoir les informations dont vous avez besoin pour traiter COVID-19. Ici, c'était même COVID, mais l'oxymétrie de pouls avec SPO2, c'est utilisé pas seulement dans des ressources avec revenus variables, donc voici, mais dans d'autres pays riches. Donc, voici
des études sur le SDRA en 2019 et ils ont eu presque 10% des patients dans l'étude qui étaient autorisés d'être dans l'étude en fonction de l'oxymètre de pouls plutôt que des gaz de sanguin. Donc, on n'a pas besoin de mettre de lignes invasives pour traiter le syndrome. Pourquoi est-ce qu'on utilise cela dans des pays riches? C'est un email que j'ai reçu où mon hôpital a eu un manque. Donc, on a utilisé l'oxymétrie, plutôt les gaz de sanguin pour étudier, pour diagnostiquer le SDRA. Et on se base jusqu'à présent sur l'oxymétrie de pouls. Donc, les gaz du sang, PaO2, sont utilisés pour définir le SDRA afin d'inciter les cliniciens à le reconnaître et à le traiter. Les gaz du sang sont également utilisés pour choisir qui est suffisamment hypoxémique pour avoir besoin de certaines thérapies contre le SDRA, par exemple le proning. L'oxymétrie de pouls aide les cliniciens à reconnaître et à traiter les différentes sévérités du SDRA sans gaz du sang. Et la SpO2 doit être inférieure ou égale à 97%. Je veux parler également des objectifs de saturation d'oxygène pour, en termes de patients individuels, quelle est la saturation idéale? Docteur Bickler dit que vous êtes hypoxémique pour des périodes courtes sans problème, mais si vous restez hypoxémique, vous pouvez mourir. Le corps ne peut pas survivre sans certains niveaux d'oxygène. Et c'est une bonne étude de Papouasie-Nouvelle et Nouvelle-Guinée, mais l'introduction de concentrateurs réduisent la mortalité. Pour la pneumonie des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée et trop d'oxygène, on pense que c'est probablement aussi mauvais pour les études des animaux. Cela peut endommager les poumons. Donc, trop d'oxygène est mauvaise. Ça peut donner l'absorption atélectasie et fibrose interstitielle, etc. Donc, deux études en 2016 et deux dans le journal de Nouvelle-Angleterre et ont abordé ce problème et ils ont montré différents pronostics. Vous voyez, une étude de 2016 n'a pas eu de différence de pronostic et une autre de le New England Journal n'a pas eu non plus, mais une étude a montré que une cible d'oxygène inférieure était mieux pour la mortalité de patients. Et une autre étude française qui a montré qu'une meilleure cible plus élevée est meilleure, mais cette étude a été arrêtée après 200 patients et qu'il s'est utilisé. Cible de saturation faible qui a peut-être impacté les résultats. Ici, c'est l'étude la plus récente et c'est définitive en ce qui le New England Journal, 6 semaines, a publié des cibles inférieures pour l'insuffisance respiratoire hypoxémique aiguë. Il n'y avait pas. Pour vous donner une idée, la cible de saturation entre les deux groupes, il y avait environ 90. Donc, 93 contre 71 niveaux de saturation, mais pas de différence de mortalité. Pour vous donner une idée de ce que disaient les directives pour le NIH, disent que 92 à 90% est raisonnable en fonction des données qu'ils avaient. L'OMS, quand ils parlent de maladies aiguës respiratoires, met à 88 à 93%. Donc, pour les patients individuels, il n'y a pas de réponse claire. Je dirais entre 90 à 96% est sûrement sans danger. Ce n'est pas l'hypoxémie et c'est ni hyperoxie. Et la population, les ressources variables, quand vous avez un risque de manque de rupture de stock d'oxygène, pour conserver l'oxygène, que doit-on faire? Donc,
lorsqu'on introduit les sources d'oxygène dans des régions qui n'en ont pas assez. Donc, c'est une question que Dr Théo et le groupe a demandé au Rwanda. On a regardé la quantité appropriée pour le patient, mais également pour le système. On l'a fait parce que les études précédentes sur la SSDRA au Rwanda nous disaient qu'il y a une 47% de mortalité pour tous les patients. C'était tous les patients qui étaient hypoxémiques. La moitié mourait à l'hôpital. On a vu également que 60% des patients avaient au moins un jour où ils n'avaient pas assez d'oxygène. Donc, la saturation était inférieure à 90%. Nous avons, en parlant aux infirmières, que les cibles de saturation étaient 90% et qu'il n'y avait pas d'objectif clair et les pénuries d'oxygène étaient courantes dans l'hôpital. Donc, on avait une théorie que si vous pouvez avoir un taux de saturation inférieur, il y aurait moins d'insuffisance d'oxygène. Donc, voici à Kigali, 560 lits, 12 000 entrées par jour, par an. L'un des deux hôpitaux de référence nationaux du pays, la plupart des services comptent environ 24 lits répartis en trois sections. Donc, on a fait des enseignements pour les infirmières et les médecins pour pourquoi utiliser des cibles de saturation. On a montré comment utiliser l'oxymètre de pouls et on a des rappels par rapport au département des rappels pour l'objectif de saturation. On utilise 90 à 95 environ 12% des patients étaient hypoxémiques, ils étaient jeunes, un quart finissait sous respiration mécanique et la mortalité très élevée. Mais surtout, est-ce qu'on pouvait être effectif? Donc, on a vu qu'au début, donc, le nombre de patients hypoxémiques était d'environ 12% après l'intervention avec des périodes de la semaine 4 et la semaine 12. On a vu que certains patients étaient hypoxiques et ceux qui étaient dans la plage cible avaient une grande augmentation. Il y avait une grande augmentation du nombre de patients dans la zone acceptable. Après l'intervention, après la 12e semaine, les résultats étaient meilleurs. Le nombre de temps d'oxygène réserve a augmenté, c'est ce qu'on s'attendait. Et à peu près la même chose pour les semaines 4 et 12 et les pays et les jours où il y a eu des pénuries d'oxygène ont baissé, mais pendant la 12e semaine, c'est une période d'un mois. Et l'une des semaines, même si on manque une semaine de production d'oxygène, il y a eu quand même lorsqu'il y a des problèmes de production d'oxygène, il y a quand même moins de pénurie d'oxygène. Donc, 80 à 87 cette plage est bonne. Et dans les contextes avec des ressources variables, il faut avoir une cible de saturation pour conserver l'énergie, pour que l'oxygène soit disponible pour davantage de patients. Donc, j'aimerais parler donc donc les cibles d'oxygène entre 90 et 96% sont probablement bonnes pour les patients. Donc, oxymétrie de pouls continue ou intermittente. Avec une oxymétrie intermittente, on peut manquer une période d'hypoxie, nécessité d'établir des intervalles fixes à surveiller, par exemple, toutes les 4 heures ou chaque quart de travail, des infirmières, nécessité de mettre en place des mécanismes de consignation de la saturation et de la quantité d'oxygène que le patient reçoit, envisager des objectifs de SpO2 légèrement plus élevés compte tenu du risque de l'hypoxémie entre les contrôles intermittents. Et dans le rôle de l'oxymétrie de pouls dans la gestion de syndrome de détresse et respiratoire aiguë, donc l'oxymétrie de pouls est une alternative raisonnable au gaz du sang artériel pour le diagnostic et le traitement du SDR COVID-19. La SpO devrait être inférieure ou égale à 97% pour une estimation précise.
et des objectifs de saturation en oxygène de 90 à 96 % sont probablement bons pour les patients individuels et pour la conservation de l'oxygène, ce qui signifie que l'oxygène est disponible pour un plus grand nombre de patients. La surveillance par oxymétrie de pouls intermittente est une alternative raisonnable à la surveillance continue. Elle nécessite la tenue régulière de dossiers des mesures de protection contre l'hypoxémie. Voilà le résumé encore une fois. Et la surveillance par oxymétrie de pouls peut être utilisée. Donc, il faut mettre en place des systèmes pour mesurer l'hypoxémie. C'est tout ce que nous avons maintenant. Merci beaucoup, Dr. Riviello. Nous allons passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc, mettez vos questions dans le chat. La première question, peut-être que plusieurs panélistes vont vouloir réagir en tant que clinicien pour les personnes avec la peau foncée. Dr. Bickler, est-ce que vous voulez commencer et nous pouvons voir la perspective de d'autres cliniciens? Même les meilleurs oxymètres de pouls du monde ont des affichages un peu élevés pour les patients qui ont la peau foncée. La quantité d'air est relativement faible. Pour des saturations inférieures, l'air est plus important. Donc, les cliniciens doivent comprendre que c'est une erreur potentielle, surtout pour les patients avec la peau très foncée. Mais le problème le plus important avec la performance des oxymètres de pouls, c'est la profusion. Il faut s'assurer, ou en tout cas essayer très fort pour s'assurer que le signal que vous recevez est approprié. Le statut, il faut chauffer un peu le doigt, limiter les mouvements et que l'appareil soit appliqué correctement et observer la performance de l'appareil sur une période de temps assez longue. Donc, ces facteurs peuvent être très importants pour avoir une lecture fiable et utiliser les changements dans les lectures de l'oxymètre pour voir ce qui se passe. Vous n'utilisez pas un seul cliché. Cela peut améliorer la fiabilité des lectures d'oxymètre de pouls, surtout pour les personnes avec la peau foncée. Et il devrait y avoir des corrections technologiques, on va proposer des choses. C'est possible d'avoir un détecteur dans le oxymètre de pouls qui applique un algorithme différent pour les peaux foncées que pour les peaux plus claires. Il y a d'autres trucs techniques, technologiques qui peuvent être appliqués, mais il y a beaucoup de travail à faire. Merci, Dr. Bickler. Dr. Wawarusika, commentaire ou réaction par rapport aux réponses à l'étude ou récente dans votre contexte de pratique de médecine? L'article reprend ce qu'on a vu dernièrement. On avait remarqué dans les soins critiques qu'on avait les résultats de gaz sanguin de nos patients et le PO2 était inférieur que l'oxymètre de pouls indiquait. Et parfois, on essaie de dépanner qu'il y avait un problème d'échantillonnage. Donc, l'article a montré que ce qu'on voyait, c'était pas une erreur d'échantillonnage des gaz sanguins, mais c'est plutôt avec la population. C'est pas seulement la pigmentation, mais la profusion également. Si vous avez une personne à peau foncée qui est bien profusée ou qui ne l'est pas,
Est-ce qu'il y a une différence? Nous sommes, nous avons la peau foncée, mais il y a des différentes teintes de quel spectre. Nous avons des, une population noire avec la peau claire. Et est-ce que la variation est la même? Cela, il y a une discussion intéressante, mais il faut aller plus loin avant de conclure. Mais on a des cibles supérieures de saturation, 94%, et pour les patients COVID, 88 à 92% pendant la pandémie. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres panélistes veulent ajouter là-dessus? The next question, prochaine question auquel j'ai répondu rapidement. Pour résumer, les résultats quelle est leur précision? Est-ce qu'ils sont fiables? Docteur Rivello ou Mugabe, les oxymètres de pouls en pratique, qu'est-ce que vous avez noté par rapport à les utiliser? Quels sont vos commentaires pour les utiliser dans la pratique clinique? À vous, docteur. Thank you very much. So, I think the pulse oximeter. Merci, Beth. Je pense que l'oxymètre de pouls a donné de bons résultats, surtout dans les pays à faible revenu. Ils sont peu coûteux. Ils sont disponibles dans tous les contextes. Et selon moi, nous n'avons jamais eu de si gros problèmes avec les oxymètres. Et je ne pense pas que c'est le moment de les rejeter, même si que pour les peaux foncées. Et la peau foncée change d'un pays, une personne à l'autre. On peut voir comment on peut revoir les cibles au lieu de il faut pas les rejeter, mais il faut être tester cet appareil en termes de précision. Merci pour cela. Dans le chat, je voulais commenter rapidement. Cela dépend de votre interprétation de la donnée. Si l'article que nous quand on regarde les oxymètres qui ne sont pas chers, qui n'ont pas été approuvés par des études de validation, la moitié avait une bonne performance. Donc, ce n'est pas que tous devraient être éliminés parce que c'est parfois ce qui est disponible. La question qu'on a posée sur leur fiabilité, la précision pour obtenir l'approbation par la FDA serait 3% dans n'importe quelle direction. Si vous ne satisfaisez pas condition 3% en haut ou en bas, si vous êtes à 4%, donc qu'est-ce que vous allez faire si un patient à 76%, alors qu'en fait, il est 81% ou 4 points dans l'autre direction. Quelle est la répercussion dans le contexte clinique? Je voulais souligner que la partie essentielle est que la différence existe, mais que cela, on ne voulait pas impliquer avec cette étude que tous les oxymètres devraient être rejetés. Donc, on passe. Docteur Bickler, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que l'argument de Dr. Théo, où il ne faut pas tout jeter, tout mettre dans le même panier, on veut encourager à ce point de la pandémie, on veut encourager l'usage de l'oxymétrie largement. L'oxymétrie est importante et utile et devrait être dominée. La préoccupation sur la performance devrait être un point, un détail par rapport à l'introduction générale, globalisée des oxymètres de pouls dans les cliniques à travers le monde. D'autres questions?
Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que, en raison de la pression de cette période de COVID, l'oxymètre de pouls peu cher maintenant au niveau du moniteur à domicile, tel qu'un thermomètre ou un moniteur de pression artérielle? Et est-ce que, si c'est le cas, que suggériez-vous comme prochaines étapes? Je pense que c'est très important. Très bonne suggestion. Très importante, surtout dans les zones où il y a un déluge de patients COVID en hypoxémie ou avec tous les, et que les hôpitaux peuvent utiliser l'oxymètre de pouls pour le triage, pour envoyer une partie des gens chez eux, c'est très utile. Les oxymètres sont disponibles de plus en plus et l'oxymètre de pouls qui est à l'arrière du smartphone Samsung sont plutôt bons. On a évalué dans le laboratoire. Ils étaient pas mal du tout. Ils sont très bons si vous faites attention à bien les utiliser. Ils sont très bien. Le logiciel Samsung n'est pas formidable, peut-être amélioré, mais la puce oxymétrie est très bonne. C'est un oxymètre de pouls basé sur le téléphone. C'est très innovateur. Docteur Théo, est-ce que vous voulez commenter là-dessus également? Je pense que c'est une très bonne idée. La semaine dernière, j'ai eu deux patients avec COVID-19 qui semblaient être bien, mais lorsque j'ai vu que leur... Quand j'ai utilisé l'oxymètre de pouls, j'ai vu que leur saturation était inférieure à 70%. Donc, si on pouvait les surveiller à la maison, ils auraient sauvé des gens parce qu'on a eu des gens qui sont morts chez eux. Donc, ces deux patients, ce sont de bons exemples que pour COVID-19, la saturation doit être surveillée constamment à la maison et ensuite, on peut appeler pour des services d'urgence s'il y a un danger. Il y a des études sur l'oxymétrie de pouls et l'oxygène est et les résultats sont mélangés. Les résultats d'études pour investir dans l'oxymétrie de pouls et l'oxygène ont été mitigés en ce qui concerne les nouveau-nés et les mortalités pour les nouveau-nés et les enfants. Qu'est-ce que vous considérez comme un facteur important additionnel à considérer pour l'oxymétrie de pouls et la fourniture d'oxygène pour pouvoir avoir de bons pronostics? Donc, Beth, do you want to comment on that, Dr. Riviello? Dr. Riviello? Je dirais que si on peut avoir ces choses correctement, ce serait bien. L'oxymétrie et la disponibilité d'oxygène, c'est à la base. Et on a commencé avec les respirateurs mécaniques et on a venu en arrière dans les systèmes en place, avoir de l'oxymétrie pour mesurer le taux d'oxygène et avoir la disponibilité d'oxygène. C'est une grande différence et l'autre volet. Ce qu'on sait dans les critiques pour les patients qui, avant l'arrivée dans les soins d'urgence, la surveillance, la prophylaxie, ce que j'appelle. La même façon pour chaque patient des systèmes. Pour les soins de base avec la prophylaxie, pour la coagulation, les caillots et en plus de l'oxygène, cela peut faire la différence pour les patients maintenant. Merci. Et donc, on arrive à l'heure. Merci les panélistes, Dr. Riviello, Bickler, Warusika et Théo Mugabe pour se joindre à nous. Contactez-nous si vous voulez une copie des vidéos et merci à USAID Star pour soutenir ce
sponsoriser ce webinaire. Bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir. Thank you very much. Thank you. Bye. Thanks.